C'est une nouvelle aube pour Alice. La construction de sa nouvelle maison est presque terminée. À quelques mètres de là, Charles s'occupe de son bétail, un projet qui se déroule simultanément avec la construction de sa nouvelle maison. Les deux ont leur nouvelle maison grâce à un projet chinois qui aide les riziculteurs burundais à augmenter leur rendement. Avant de rejoindre ce projet, je vivais dans l'ancienne maison. Mais maintenant, j'ai pu construire une nouvelle maison et acheter des vaches. Je peux aussi emmener mes enfants à l'école. Nous rigolons plus qu'à l'époque et c'est pourquoi j'ai réussi à progresser dans la vie. Comme vous pouvez le constater, j'ai une nouvelle maison et je n'ai pas achevé sa construction. J'ai aussi quatre enfants à l'école privée. Certains finissent presque l'école primaire maintenant. Sous la tutelle d'experts chinois, les riziculteurs ont appris de meilleures techniques agricoles. De la plantation à la récolte, les experts chinois guident les agriculteurs tout au long de la saison. Pour ce projet dans ce village, nous avons commencé en 2008. Et maintenant, 2 ans, le projet rizicole, nous avons cultivé environ 92 hectares. Les experts chinois fournissent aux agriculteurs locaux des semences hybrides plus performantes que celles qu'ils utilisaient auparavant. Grâce à notre projet, la production a plus que doublé et le bénéfice net est plus de 5 fois supérieur à ce qu'il était auparavant. J'exhorte l'équipe chinoise à aller au-delà du Burundi et dans toute l'Afrique, car d'autres pays ont également besoin de ces connaissances. Le projet rizicole fournit non seulement au Burundi une solution au problème de l'alimentation, mais il est également le signe d'une coopération solide entre la Chine et le Burundi.